m'appelle Pierre Perrin, je suis responsable des opérations à Famille Perrin. Famille Perrin, d'abord, c'est une famille. Cinq générations autour d'une passion, celle du vin. La famille Perrin, aujourd'hui, c'est environ 450 hectares de vignes, mais avec, depuis de nombreuses générations, une volonté d'augmenter notre activité, donc le développement de plusieurs vignobles dans la vallée du Rhône Sud, dans les Côtes du Rhône Nord, et puis aussi en Côte de Provence. Et puis une partie aussi avec des partenaires donc d'achat de vin ou de raisin qui nous permettent de produire nos différentes marques. Innover tout en gardant une certaine tradition. En tous les cas, c'est la règle de la famille. Faire bien les choses, c'est forcément d'être innovant. La qualité de la mise en bouteille est un élément qui est important. Aujourd'hui, Famille Perrin, c'est environ 35 millions de bouteilles produites. Donc oui, on a besoin d'innovation, on a besoin de changer de format d'une manière assez fréquente. Plusieurs bouteilles, plusieurs formats, c'est aussi un peu la difficulté de notre métier. Ça fait 25 ans que nous sommes partenaires de Sidel. Ils ont accompagné finalement auprès de la maison Perrin la modernisation de notre outil de production, plus une augmentation du rendement, de la productivité horaire. Donc on s'est forcément tourné vers des spécialistes. Donc pour moi, en plus de la qualité de leurs conseils, ce qui est vraiment capital et indispensable, c'est l'accompagnement, que ce soit avant la vente, pendant et après. Mais le SAV, c'est certainement 50% de notre choix, et c'est à ce titre que Sidel est un de nos partenaires. Voilà, donc là c'était le passage d'une chaîne d'embouteillage de 6000 bouteilleurs à 14000 bouteilleurs. Bien évidemment, il a fallu à un moment donné moderniser la phase de pailletisation, de dépailletisation, de mise en caisse. On était à la limite finalement de la d'une dépailletisation et une pailletisation manuelle. Donc il a fallu qu'on passe par de la robotisation. Le challenge certainement c'était celui-là, c'était d'essayer d'être efficace dans les temps d'arrêt. On a beaucoup de formats, vous imaginez bien, de la demi-bouteille au magnum, avec toutes les complexités de diamètre, de hauteur, toutes les options qui nous ont permis de réduire ces temps d'arrêt, qui sont toujours dans ce monde-là des temps inefficaces, ont été prises. Je pense que le résultat est très bon. On a eu beaucoup de chance en plus ces dernières années avec toutes les complexités qui ont été autour de la pandémie, de pouvoir s'appuyer sur la modernisation de la mécanisation avec des partenaires efficaces, avec un suivi à distance, avec une prise en main à distance de l'ensemble des machines. Et ça, je crois que c'est vraiment un élément qui est important. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir une réactivité des services après-vente, on a besoin d'avoir une réactivité en cas de panne. Donc voilà, on est complètement satisfait. Comme toutes les boîtes familiales, on est fidèles. On est fidèles quand on a des personnes qui apportent des réponses. Et dans l'ensemble de ce projet, c'est ce qui a été le cas. Voilà.